C'est les rameaux. Alors je ne vais pas prêcher sur les rameaux, mais euh, je vais être reconnaissant euh, au Seigneur Jésus qui est venu de lui-même se mettre dans la gueule du loup à Jérusalem, qui est arrivé triomphant, qui est reparti encore plus triomphant puisqu'il avait vaincu le diable à la croix. À part ça, donc vous voyez, aujourd'hui le thème c'est IA contre ID. Alors il y a un, un petit temps qui va être un peu plus technique, peut-être rébarbatif. On ne sait pas. Puis il y a un autre temps qui va être de l'édification, de l'encouragement pour chacun d'entre vous. Alors l'IA, euh, je pense que vous savez tout ce que c'est. L'intelligence artificielle. Ah hum, hum. Et puis l'idée, alors. C'est quoi l'idée ben, Pas un nom, c'est pas la carte d'identité. Hein, c'est... L'intelligence de Dieu. J'ai fait un petit jeu de mots comme ça pour euh, poser le décor. Alors, l'intelligence artificielle, ben, c'est quoi l'intelligence artificielle Ce que vous voyez à l'écran là, c'est des 1 puis des 0. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Hein l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Ça veut dire que c'est quelque chose qui... Dit son contraire et tout. Tout est son contraire. Vous un sujet brûlant, c'est un oxymore aussi, on peut dire. Et donc, intelligence artificielle, euh, vous voyez, c'est des 1 et des 0 qui s'alignent dans des serveurs, qui s'alignent dans des machines. Et c'est <coughs> comme ça dans toute l'informatique. Alors, je ne fais pas un cours d'informatique ce matin, heureusement pour vous. Mais je vais essayer de vous définir le plus précisément possible l'IA. Et là, c'est un peu la partie. Hein, c'est rébarbatif, hein, on n'est pas. Bon, on verra. Déjà, la définition de l'intelligence. Ce mot, intelligence, apparaît en 1175 sous la forme intelligentia, qui veut dire action de comprendre, ou intelligere, comprendre. Et l'intelligence procède de quatre bases, d'après ma source qui est le Robert Culturel. C'est des gros bouquins comme ça, vous savez. C'est pas dans un petit machin euh, smartphone. C'est des gros bouquins comme ça, quatre volumes. Alors il dit, mon Robert, la faculté de comprendre, de connaître, éclairée par la spéculation préalable, ce qui nous projette dans l'âme, l'esprit, la pensée, la raison. Ça, c'est. Deuxièmement, l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle soit l'abstraction, la conception, l'entendement et l'intellect. En troisième lieu, l'aptitude d'un être vivant à s'adapter aux situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés rencontrées et à fabriquer des objets artificiels. Tiens, 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 tiens. Et en quatrième lieu, qualité de l'esprit d'une personne qui comprend et s'adapte facilement. Ceci rejoint le point 3 sous les auspices de la capacité du discernement du jugement de la pénétration de la perspicacité et de la réflexion. Je relève par ailleurs l'intelligence du cœur qui a rien à voir avec l'intelligence intellecte et puis j'en profite puisque je suis là pour égratigner le fameux sacro-saint QI. Vous savez le QI quotient intellectuel. Hmm. Ah, dans le QI vous avez aussi des, des, des références hein. puis vous avez alors en classe tel ou tel individu dans les intelligents ça c'est bien. Dans les moins intelligents dans les moyennes intelligents, ça c'est ça. Et puis dans les bobets, bah, les psys ils disent débiles. Hein. Alors, selon Ilan M. Edelstein, l'intelligence ne se résume pas à un chiffre. On ne peut pas classer l'intelligence des gens de façon linéaire. Les tests de QI ne mesurent pas toutes les intelligences, ni tous les secteurs de l'intelligence. Et d'ailleurs, il y a eu des sérieuses dérives avec ça, notamment dans des pays protestants comme le Canada. Je ne sais pas si vous savez, où on a stérilisé légalement. Il y a une loi qui a été sortie pour ça. On a stérilisé légalement des personnes au QI insuffisant aux yeux des autorités. Vous étiez en dessous de 100, paf, on vous les coupe. Définition d'artificiel. Oui, alors peut-être. Déjà, il faut que je précise une petite chose. Ça peut surprendre peut-être les petits nouveaux, parce que j'ai une façon de m'exprimer dans mes prédications qui sont telles que peut-être des fois ça déstabilise. J'aimerais pas que quelqu'un soit mal à l'aise à cause de ça. La définition d'artificiel, maintenant. Le mot vient, ben, pour changer du latin, artificium, qui est apparu vers 1250, et dont les définitions sont, toujours d'après mon copain Roro, Fabriqué par l'homme et non la nature, comme dans le point 3 précédent. Créé par la pensée humaine, par exemple les langages artificiels comme l'espéranto ou le volapuc. Créé par la vie sociale, la civilisation, la culture. C'est artificiel. Créé par l'esprit humain et considéré comme non lié à la nature, par exemple concept artificiel. Et enfin, qui manque de spontanéité de naturel. D'ailleurs, vous savez que le sens premier d'artificium signifie art, métier, adresse artificielle. Donc, en résumé, l'intelligence est humaine et un don de Dieu, et l'artifice est un dérivé de l'homme. Alors, de nos jours, c'est sûr, on met l'IA à toutes les sauces, on en parle, on en parle, on en parle, on ne parle que de ça bientôt. C'est vrai, il y a des intérêts à avoir une intelligence artificielle qui travaille pour nous. Par exemple, aider l'humain dans son quotidien, ou améliorer le milieu de la santé, et de la médecine, ou favoriser un apprentissage, une formation, ou favoriser l'inclusion, le partage des idées, gagner en productivité, améliorer les transports, aider la justice avec des big data, les grandes masses de données, vous pouvez facilement compiler avec l'intelligence artificielle des jugements, comparer avec d'autres jugements, etc. Améliorer notre alimentation et augmenter le e-commerce. Mais vous avez compris la chose suivante, c'est que l'IA à des qualités qui sont aussi ses défauts. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans ma conclusion. Et puis, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer des ordinateurs, des téléphones portables, des écrans, des voitures électriques ou des panneaux photovoltaïques Il faut quoi pour ça Il faut des matériaux pour construire tout ça. Il faut les tirer de la terre. Il y a un petit, tout petit problème, mais presque rien. Hein c'est que, je prends un exemple, le cobalt, utilisé pour les batteries, n'est-ce pas Alors, le cobalt, il faut savoir que c'est un métal rare. On dit rare quand c'est en dessous de 1% d'extraction. Hein Et là, en l'occurrence dans la croûte terrestre, il est présent à 0,004%, le cobalt. Et il faut... Alors là, il faut s'accrocher. Il faut 500 tonnes de minerais pour une tonne de cobalt. Actuellement, le marché, c'est 30 000 dollars la tonne, environ. 500 tonnes pour une tonne. Vous voyez le déchet minéral. Alors, vous voyez sur le tableau là. Le pic du cobalt, c'est-à-dire de l'extraction, c'est marqué 2030. C'est des projections euh, selon certains modèles. Donc ça veut dire que jusqu'en 2030, il y aura encore du cobalt à profusion, on va dire comme c'est indiqué là, hein, une tonne pour 500 tonnes. À partir de 2030, ça va commencer à descendre. Et c'est la même chose pour n'importe quel matériau, n'importe quel métal, sans compter les phases de fabrication du dit métal, qui peuvent passer par des pollutions énormes, si on prend le lithium c'est un million de litres d'eau par tonne de, de lithium. Donc, un million de litres d'eau, ça, ça représente quelque chose d'énorme sur, maintenant sur notre planète. Alors il faudra qu'on m'explique, et surtout qu'on explique aux jeunes générations comment on va faire pour produire des écrans, pour produire des portables, pour produire des voitures, pour produire toutes sortes de choses, des bâtiments, même les bâtiments, comment on va faire quand euh, les ressources viendront à vraiment diminuer Question. Alors maintenant, j'en viens à l'intelligence humaine. Vous voyez, Proverbe 3.13 dit déjà, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse est l'homme qui possède l'intelligence. On dire qu'il y a des hommes qui ne possèdent pas l'intelligence. Ah, je ne sais pas. Mais non. L'intelligence est un don de Dieu. Alors il y a des formes multiples comme c'est indiqué ici, vous voyez. Euh, vous avez la linguistique, vous avez la nature, vous avez les relations intra- et interpersonnelles, vous avez le corps, la musique, la vision, etc. Mais moi je voulais vous dire quelque chose d'important ce matin. Parce que peut-être des fois c'est pas assez bien intégré. C'est que vous êtes tous intelligents. Parce que... Pourquoi donc Parce que c'est un don de Dieu. Donc toute créature est intelligente. C'est un don de Dieu. Et lui, dans sa grande sagesse, il nous a pourvus dès le départ de cette intelligence pour acquérir des connaissances. Lire, calculer, parler. Et tout ça, c'est contenu dans la petite boîte qui s'appelle la mémoire. On croit d'ailleurs trop souvent et à tort, je ne dis pas ça pour enfoncer ceux dont je vais parler, que les universitaires ou ceux qui ont fait des hautes études sont très intelligents. Alors, je vous laisse juger vous-même. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui ne joue pas dans cette histoire. Ils sont intelligents, comme nous, comme chacun d'entre nous mais ne sont pas plus intelligents. La seule différence, c'est qu'ils ont la capacité d'acquérir des connaissances académiques qui leur permettront d'exercer des métiers compliqués, comme médecin ou ingénieur, ou je ne sais. Donc c'est important d'avoir ces gens-là aussi. Mais il faut surtout pas croire qu'ils sont plus intelligents. Et moi, j'avais ma mère, elle croyait toujours que ceux qui avaient fait des études, les médecins en particulier, c'étaient des gens supérieurement intelligent. On n'a jamais pu lui faire comprendre que non, c'était des, juste des gens intelligents qui avaient des connaissances académiques supérieures. Ça c'est vrai. Et alors vous avez, euh, dans nos pays occidentalisés particulièrement, cette force qui pousse les, les gens à, à mettre les jeunes vers les études. Fais des études mon fils, tu vas gagner plein d'argent, tu verras. Et puis ça, des métiers sûrs. Hein. Bon, par rapport au nombre de chômeurs qui sortent des hautes écoles, c'est peut-être pas si sûr que ça, finalement. Et puis, c'est qui qui va réparer nos toilettes? C'est qui qui va faire nos maisons Si tout le monde est dans les hautes études, ça ne va pas aller. Mais c'est un miroir aux alouettes qui a parfaitement fonctionné. Est-ce que quelqu'un a vu le film qui s'appelle Bienvenue en idiocratie vous pas vu? Ah, c'est un super film! C'est un film fantastique! Déjà, c'est un film américain, ça peut être que fantastique. Il est sorti en septembre 2006, et puis euh, aux États-Unis, ils l'ont sorti dans 30 salles. États-Unis, 30 salles. Vous voyez le rapport, hein c'est pas. Et en France, il est sorti l'année suivante, ça a été un bide total. Bon, ce film est un avais, mais il raconte ce que je dis maintenant. À savoir que, dans son synopsis lamentable, il y a un homme de 2005 qui accepte d'être cryogéné, voyez, pour une expérience inédite. Bon. Ben, il y a un tout petit souci, c'est que les gens l'oublient. Ils oublient le gars qui est cryogéné dans son coin, dans son congèle. Et qu'est-ce qui se passe Cinq siècles s'écoulent. En 2505, il reprend conscience. Puis il arrive dans un monde qu'il ne comprend plus très très bien. Parce que d'ici là, l'humanité s'est divisée en deux parties très inégales. D'un côté, il y a les êtres intelligents, très très peu. Puis de l'autre côté, il y a les crétins, l'idiocratie. Ceux-là sont très nombreux. Puis ils se reproduisent. Ils reproduisent des crétins, forcément, parce qu'ils leur apprennent rien. C'est affreux. Donc tout est à l'avenir, et notre héros se retrouve d'être le plus intelligent en 2505, à tel point qu'il devient même président des États-Unis. C'est fantastique. Mais, vous voyez, ce petit, ce petit truc rigolo, ça nous amène à voir... Les manipulations de l'homme, notamment de l'intelligence artificielle, ça peut nous mener très loin. C'est juste pour prendre conscience qu'on est dans, face à un, à un danger quand même. Parce que, qu'est-ce que va devenir l'intellect de l'homme si on fait tout à sa place Alors, Dieu a donné l'intelligence. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ésaïe 29, 14. Alors là, j'ai la version Chouraki. Il parle de discernant, lui. Mais vous savez que Chouraki, c'est quelque chose qu'il va rechercher dans l'hébreu profond, qui va vraiment dans les racines. C'est intéressant de comparer les versions quand on, quand on lit la Bible. L'intelligence... Donc, et la sagesse sont des dons de Dieu. Mais, 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 mais il peut décider d'obscurcir le jugement, pas l'intelligence. Le jugement de certains, lorsque ceux-ci s'écartent de sa volonté. Ça, c'est pas bien de s'écarter de sa volonté. Et son peuple, d'ailleurs, on a fait plusieurs fois l'expérience. Vous pouvez vous rappeler chaque fois que ce peuple a eu le cou raide et la nuque très raide. Eh bien. Il s'est passé des choses terribles. Et l'omniscience de Dieu, par contre, est tout à fait claire pour ses enfants. Vous êtes des enfants de Dieu, n'est-ce pas Donc l'omniscience de Dieu, elle est parfaitement claire pour vous. D'ailleurs, Romains 8, 5, 6 nous le dit Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et il y a quelque chose de troublant que j'ai découvert comme ça en, en graillant un peu dans les, dans les livres. Israël Lévy, c'est un auteur qui a écrit en 1912 dans la revue des études juives que le mot intelligent était indiqué par foi. Parce que la foi serait liée à l'intelligence. Et d'où vient la foi Réponse dans de 2.8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc Israël Lévi a fait le parallèle entre la foi et l'intelligence qui sont données par Dieu. Même concept, mais don du Créateur à la créature. Alors, vous voyez, quand on parle de l'intelligence de l'homme, parfois il y a des situations vécues ou des scènes qui nous font un petit peu douter de cette intelligence. Par exemple, pour une place de parking, certains seraient prêts à s'écharper, tu m'as piqué ma place, mais non, c'est moi qui étais là en premier, etc. Au bout d'une demi-heure, ils sont toujours pas parqués. Bon. Encore pire, encore pire, parce que ça, ça passe encore, mais la guerre. Imaginez, mais est-ce est que l'homme est vraiment si bête que ça qu'il n'apprend jamais rien de l'histoire? Actuellement, actuellement, une cinquantaine de pays et 1,7 milliard de personnes sont touchées par des guerres ou des conflits armés. Et Matthieu 24 nous indique ce qui va se passer, vous voyez vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On y est, les amis. On ne sait pas quand ce sera la fin, mais on sait qu'il y a la fin. On ne sait pas. Les autres sont prêts Non. Mais nous, on est prêts. C'est un exemple extrême, bien sûr. Mais c'est dans la nature de l'homme, malheureusement, de faire des bêtises inconsciemment. Quand je fais une bêtise inconsciemment, bah, c'est une bêtise. Quand je la fais consciemment, c'est un péché. Et l'apôtre Paul, il est marrant parce qu'il parle des dons. Hein, dans, dans. Dans le chapitre 14, au verset 15, au Corinthien. Il dit Mais que faire donc Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Là, il parle spécifiquement du don des langues, la fameuse glossolalie. Est-ce qu'il dit que parler en langue n'est pas valable Ou chanter en langue n'est pas valable Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il parle de l'intelligence qu'on peut utiliser aussi pour prier aussi pour chanter. D'ailleurs, ceux qui ont produit des chants, c'est extraordinaire de voir l'intelligence du chant en question. Parce que ce n'est pas que le, la musique qui nous touche, mais c'est aussi les paroles. Et en tant qu'humain, on a cette capacité de refléter les traits de personnalité de Dieu, comme l'amour, la justice, la sagesse. Et la Bible dit d'ailleurs dans Ephésiens 5, 1, 2, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et continuez à marcher dans l'amour. Dieu a donné donc le libre arbitre, la liberté de choix et l'intelligence qui va avec pour les utiliser. Une faculté qui permet de décider de faire le bien plutôt que le mal, même si Paul dit à un moment donné qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire. On peut exprimer notre amour pour les autres de différentes façons, comme c'est décrit dans 1 Corinthiens 14, 14, 13, 4 à 7. Et on a aussi la capacité d'être créatif, d'apprécier la beauté, nous émerveiller devant l'incroyable planète que nous habitons. Et par-dessus tout, on a reçu une sensibilité spirituelle, un désir inné d'apprendre à connaître notre Créateur est ce qu'il attend de nous. Matthieu 5, 3. Et puis, il y a les animaux. C'est bien joli, il y a les humains. Ça, c'est nous. Puis, il y a les animaux. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui concerne les corneilles. Vous allez voir que ce n'est pas, pas dépourvu de sens. En effet, les corneilles, pour nous, c'est ces sales bêtes qui déposent des fientes là, sur nos voitures. Accessoirement, hein, c'est aussi par terre. Bon, bref. Et puis, elles croissent elles font un bruit d'enfer le matin quand euh, les habitants aimeraient bien dormir. Ben non, il y a les, les corneilles qui sont. Là. Puis il y en a tellement que ça, ça fait un bouquin du diable, tout le quartier est réveillé. Ça, j'ai vu à Pérol, à Fribourg, mais j'ai vu qu'ici aussi, il y a pas mal de corneilles. Pour les chasser, c'est Tintin, ils n'ont plus, plus de prédateurs. Il faudrait lâcher des faucons. C'est tout. Donc, les corneilles. Mais ce petit animal, qui a l'air de rien, puis qui nous embête comme ça, il est très intelligent. Je vais vous dire, en France, il y a eu les attentats, Charlie Hebdo et compagnie, il y a toujours l'État islamique qui traîne ses boîtes partout. Alors ils ont dit, ah, idée lumineuse, on va faire des poubelles transparentes. Génial, comme ça on peut voir s'il y a une bombe dedans, éventuellement, un engin explosif. Ok. Alors, ils ont fait comme ça, ils ont des poubelles transparentes. Le petit souci, c'est que la corneille qui se nourrit des restes des humains, qui vient même ramasser les potes de crème à café sur les tables quand il faut, hein je débrouille bien la, la corneille pour ça. Eh bien, elle a vu, elle s'est rendue compte qu'il y avait des sacs poubelles transparents. Et derrière le transparent, dans la poubelle, qu'est-ce qu'il y a mais il y a les restes du McDo! Il y a des bonnes frites à manger! Mais c'est la classe, il y a des restes de burgers! Alors, les corneilles se nourrissent aussi comme ça. Elles percent les sacs très facilement, puisqu'elles ont un bec très dur, puis elles vont manger ce qu'il y a dedans. Donc, une bonne idée pour voir s'il y a un engin explosif, c'est une poubelle transparente, mais c'est une mauvaise idée pour les corneilles. Et les corneilles sont très, très marioles pour repérer ces choses-là. Il y a un autre petit exemple avec les corneilles. Certaines corneilles sont plantées sur des arbres. Bon. Puis elles font du raffus, bien sûr. Puis il y a un noyer pas très loin. Alors qu'est-ce qu'elles font, les corneilles Elles vont chercher les noix. Puis elles n'ont pas de casse-noix, hein elles ne se cassent pas la tête non plus. Elles les laissent par terre. Mais elles ne les laissent pas par terre n'importe où. Elles les laissent par terre. Là où il y a des camions qui passent, les camions de la voirie, ils échafent les noix et les corneilles, ils n'ont plus qu'à aller se régaler. Je n'ai pas besoin de faire du travail. Donc vous voyez, l'intelligence, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans le monde des vivants. Tant pour l'homme que pour la corneille. Puis maintenant, l'intelligence de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Créa les cieux et la terre. Comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence d'un esprit Parce que Jean 4, 24 nous dit Dieu est esprit. Comment imaginer la nature de Dieu sans se fourvoyer dans des hypothèses d'ailleurs non vérifiables Et de fait, Dieu. C'est notre créateur, il est tellement supérieur qu'on ne peut même pas imaginer comment il est. Vous savez, le Dieu à barbe blanche, là, dans la chapelle Sixtine, c'est l'artiste qui a imaginé ça. Dieu n'est pas comme ça. Non, il faut le dire des fois aux enfants, parce qu'ils comprennent pas tout. Hein. Ils voient ça, et disent, ah, ben c'est Dieu. Non, ce n'est pas, pas ça. Et même si on a été créé à son image, c'est dit nulle part qu'on a été écrit physiquement comme lui. Alors comment il est Dieu est le roi d'éternité, incorruptible, invisible. Un Timothée 1 Timothée 1,14 et 1 Jean 4,12. Dieu dit et la chose est. Genèse 1,27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Vous voyez, la création parfaite de l'éternel. Ça, c'est un tableau de Rubens, Pierre-Paul. Et il a voulu montrer un peu ce qu'était le jardin d'Éden. Alors, une fois de plus, c'est l'imagination de l'artiste. On ne sait pas du tout si c'était ça ou pas ça, mais on voit les animaux, on voit l'homme et la femme, même le vilain serpent là, qui se pointe. Mais il y a tout. Il y a tout, et c'est parfait. C'est l'intelligence de Dieu. C'est lui qui a créé tout ça. Et c'est parfait. Il vit que cela était bon. Il vit que cela était très bon quand il nous a créés, nous. Et pourtant, Dieu a créé l'univers, tout ce qu'il contient. Mais l'univers ne peut pas contenir Dieu. C'est au-delà. C'est au-delà de notre imagination, au-delà de ce qu'on peut savoir, connaître, appréhender. Imaginez qu'on part de rien. On part d'un gène, on part d'une cellule. Dans le gène, toutes les indications sont déjà prêtes pour donner une plante, pour donner un arbre, pour donner un animal, pour donner un humain. Tout est déjà là. L'intelligence de Dieu. Et de nouveau, je reviens à l'homme qui ne sait pas se tenir. Parce que dans notre société sur pardon pour l'euphémisme, sur ben l'homme, il veut tout boutiquer. Il veut tout transformer. Il veut faire lui-même. Il veut créer. C'est bien de créer un tableau. Je ne sais pas, moi, de créer une maison, créer quelque chose. Mais créer des humains, créer quelque chose d'humain ou de vivant. Alors ils ont, vous le savez, depuis des siècles, on... On modifie ce qu'il y a des arbres, par exemple. Jusque-là, c'est assez inoffensif. On croise des, des variétés. Ça va. Mais quand on veut faire des clones humains, là, ça va plus. Là, ça va pas. Parce que Dieu, il n'a pas prévu comme ça. Et à mon avis, c'est ce que je pense. Hein. À mon avis, on peut toujours copier Dieu. On peut essayer de copier. On n'arrive jamais à faire aussi bien. Et dans le cas qui nous occupe, là, de copier des humains, cloner des humains, je pense que Dieu a mis la limite. On n'arrivera jamais. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont essayé. La dernière expérience date de 2014. Ils ont réussi à cloner des, des cellules. Waouh Mais tu intelligent mon gars, tu as réussi à cloner des cellules et puis ça n'amène à rien. Parce que l'intelligence suprême a prévu qu'on ne pourrait pas faire ça. On ne peut pas reproduire le vivant. On ne peut pas reproduire la vie. Mais, comme je vous ai dit, dans notre société scientifique, tout doit être maîtrisé. Alors, je fais ma petite conclusion. Si vous prenez l'IA, donc je vous parle encore de quatre petits bénéfices. L'automatisation des tâches répétitives et réparatives. L'amélioration des techniques médicales, en particulier dans les diagnostics en imagerie, la facilité dans les traductions, mettez un texte, ah oh, dis donc, c'est fait. Même une langue qu'on n'a hein, bon, jamais vue. Les capacités de synthèse des calculs ou des textes illimités. Ça, c'est les, les bénéfices, on va dire. Mais les désavantages. Perfectionnement d'armes nouvelles, par exemple, et on voit ça sur le front en Ukraine déjà, des drones tueurs qui loupent pas leur cible. Avant, le soldat il avait une toute petite chance de, de s'en sortir, maintenant il a zéro chance. L'assujettissement, la pardon, de l'humain à un contrôle centralisé. Est-ce que vous savez ce qui se passe en Chine avec cette fameuse IA ben vous avez des caméras partout déjà. Pour votre propre sécurité, je mets des caméras. Super, notre sécurité. Mais, il y a la perversion avec ces caméras. Puisque c'est reconnu facialement, vous êtes reconnu, ils savent qui vous êtes. Pratiquement tous les Chinois sont fichés. Les fiches de la S26, c'est rien du tout. La P26, c'est rien du tout à côté. Là, ils sont tous fichés. Alors imaginez, petite scène quotidienne. Un chinois traverse une rue il le feu il est rouge. Mais au-dessus du feu, il y a des caméras, comme partout. Ils identifient le gaillard et ils n'ont même pas besoin de passer par la police. Ils débitent directement son compte en banque de l'amende prescrite. Il n'y a pas besoin de discuter longtemps. On ne voit plus le chaussée. On débite votre compte. Oui, mais attention au bout de trois fois, tu peux plus prendre les transports publics, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. Tel lieu est fermé pour toi, tu peux plus aller au musée. C'est comme ça, mon il faut rester dans la ligne. Donc l'IA, c'est très dangereux pour ça. Puis à l'appauvrissement de l'intellect humain, j'en ai parlé brièvement avant, mais nous, les humains, on est tous les mêmes. Enfin, moi, je suis même à moi. C'est-à-dire, on aime bien quand le, le boulot est marché, et puis qu'on n'a pas trop d'efforts à faire. On arrive, c'est déjà, déjà préçu la table, tout est chaud, ça va bien, on est content. On est content. On est content. Sauf que, bah, c'est la perversion. Parce que si on fait plus de choses nous-mêmes, comment on va savoir les faire Comment nos, nos descendants sauront les faire C'est ça le grand enjeu. Et puis bon, alors j'en ai parlé aussi, l'épuisement des ressources minières, et ça, on peut faire tout comme on veut, la Terre, elle ne peut pas s'élargir, ne peut pas s'agrandir, ne peut pas se remplir encore. Il y a une limite physique à l'extraction des minéraux. Par contre, si vous prenez l'idée, eh, l'intelligence de Dieu, en comparaison, vous pouvez chercher des avantages, parce qu'il n'y en a pas. J'ai pas trouvé de désavantages à l'intelligence de Dieu. J'ai trouvé que des avantages. Bonheur pour moi, bonheur pour vous, bonheur pour nous. Le respect de la nature, de la création, le pourvoi de ce qui est tout nécessaire. Nourriture, abri, chauffage. Je qu'il arrive. On a. Adonai, j'irai. Il pourvoit. Le but évident d'être sur la terre pour nous chrétiens, c'est d'adorer Dieu. On le sait. C'est un avantage. Et puis, le but évident de l'après-terre, ben, c'est Jésus-Christ qui nous a donné à la croix la vie éternelle. On sera auprès du Père, on sera dans son royaume, on sera avec lui. Alors moi, l'idée, je trouve que, que, que du positif. Et moi, je ne considère pas que décroissance ou sobriété terrestre c'est un gros mot. Pas du tout. Je suis pour. Parce qu'en fait, on ne va pas vivre moins bien. Qu'est-ce qu'on va perdre Un téléphone portable changé tous les deux ans Ou une voiture changer tous les quatre ans Parce que l'autre est mieux, elle va plus vite, ou je ne sais pas quoi. Non On a tout ce qu'il nous faut. Il faut juste que l'humain se rende compte qu'on peut réparer les choses. On peut faire du neuf avec de l'ancien. Vu le, les matériaux limités. Et après tout cela, je vais quand même laisser le, le mot de la fin à Dieu, parce que c'est lui qui commande, ce n'est pas moi. Voilà Dieu aura le dernier mot, et voyez ce psaume fantastique, le psaume 53, là c'est la version Osterwald, au maître chantre sur la flûte cantique de David. L'insensé dit en son cœur Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, jette ses regards sur les fils des hommes pour voir s'il y en a un qui ait de l'intelligence qui recherche Dieu. Ils se sont égarés. Ils sont corrompus tous ensemble. Il n'y a point qui fasse le bien. Non, pas même un seul. N'ont-ils point de connaissance ceux qui pratiquent l'iniquité il dévore mon peuple comme s'il mangeait du pain. Il n'invoque point Dieu. Là où il n'y avait point de frayeur, ils vont être saisis de frayeur, car Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les rendras confus, car Dieu les a rejetés. Qui fera sortir de Sion la délivrance d'Israël Quand Dieu ramènera son peuple captif, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Et quand le Fils de Dieu paraîtra, nous nous réjouirons. Amen.